Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle recette de Kamelouze qui signifie cœur d'amande. C'est une recette très simple, il suffit juste de respecter le temps de pause et de bien suivre les étapes. Aujourd'hui, je vais faire une recette, celle qui n'est pas farcie, il y a plusieurs façons de le préparer. Je vais faire la recette simple, ce qui permettra aux débutants ou ceux qui le font pour la première fois de le réussir, Inch'Allah, du premier coup. Donc, pour cette recette, je vais avoir besoin de semoule, de sucre, de sel, de fleur d'oranger, d'eau de fleur d'oranger, et de beurre fondu. À savoir que concernant les mesures, vous pouvez utiliser un yaourt 2 heures. Donc, voilà, celle-ci, exemple, est de 125 grammes, d'accord? Donc, pour la semoule, vous aurez besoin de 7 verres et demi. Donc 7 verres et demi avec cette mesure-là. Donc 7 pots et demi plutôt. 7 pots et demi de semoule grosse. Ce qui fait 750 g de grosse semoule. Pour le sucre, vous aurez besoin de 3 verres. Donc 3 pots de 125 g de sucre. Sinon, en grammes, ça fait 375 grammes. Une pincée de sel, 185 millilitres d'eau de fleur d'oranger. J'utilise cette marque-là. Bon, elle était en promotion, donc voilà. Mais donc 185 millilitres d'eau de fleur d'oranger, ce qui fait un verre et demi, donc un pot et demi. Et ensuite, vous aurez besoin de 185 grammes de beurre fondu. Voilà, je l'ai déjà fait fondre auparavant. Voilà, ce qui revient à, encore une fois, un pot et demi de beurre fondu. Donc voilà, là c'est pour la première préparation. Pour le sirop, on verra plus tard, mais déjà faire la première étape. On va commencer par mettre donc la semoule, les 755 g de semoule grosse, dans un grand saladier de préférence pour pouvoir avoir plus de facilité à mélanger. Donc, voilà, 750 g de semoule. Ensuite, nous allons utiliser 375 g de sucre. Donc, je vais mesurer avec vous. Et voilà, donc 375 g de sucre. Hop. Voilà, et on va commencer par mélanger. Vous pouvez mélanger avec les mains, c'est mieux, c'est plus facile pour bien mélanger correctement le semoule avec le sucre. Et si comme moi vous avez des petits morceaux de sucre, hop, on les casse avec la main. Du bout des doigts. Hop. Voilà. Je vais essayer d'y aller en douceur sans accélérer la vidéo pour que vous puissiez voir toutes les étapes petit à petit et que l'on puisse cuisiner ensemble. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Et comme je dis toujours, si j'y arrive, c'est que vous allez y arriver. Voilà, déjà là, on voit que... Bon, je perds du temps moi personnellement parce que sur ce sucre-là, il y avait des petits morceaux. Mais, hop, j'essaie de bien tout enlever pour éviter d'avoir un petit grumeau. Voilà, donc là on voit bien comme quoi la préparation est homogène. Le mélange a bien été fait. Alors ensuite, on va rajouter une pincée de sel. Donc moi j'utilise le creux de la main. Hop, voilà. Et on balance
et on remélange. Le principe, c'est vraiment de bien mélanger pour que tout le gâteau ait le même goût. Ensuite, nous allons rajouter le beurre fondu. Donc, les 185 grammes de beurre fondu, ce qui équivaut à un pot et demi. Si vous utilisez un pot et que vous n'avez pas du coup de balance. Alors, on met tout le beurre, voilà. Et ensuite, on n'a pas peur. On travaille toujours avec les pots. Bien mélangé, donc ça fait une sorte de sablé. On voit la couleur et à la texture déjà que le beurre est bien mélangé. On n'hésite pas à mélanger comme la semoule de couscous pour bien séparer les graines. Voilà. Alors, je vais nettoyer vite mes mains. Je les passe sous l'eau. Donc, ensuite, les amis, nous aurons besoin de 185 ml d'eau de flanc d'oranger. Donc, comme je vous ai dit, c'est équivaut à un pot et demi de fleurs d'oranger. Pour le moment, nous aurons besoin que d'un seul pot, d'accord? Donc, c'est-à-dire de 125 ml, tout simplement parce que le restant donc, d'eau de fleurs d'oranger, nous allons l'utiliser après le temps de pause pour pouvoir donc, séparer et mélanger correctement la farce. Voilà, donc je vais le faire avec vous, avec le pot, j'ai voulu le faire avec vous. Donc, on va utiliser un pot que je vais remplir. Qu'on remplit à ras-bord. Hein. Voilà. Donc voilà, je le fais avec vous, vous voyez bien. Donc vraiment pour vous faire montrer que même moi je peux utiliser les pots, c'est juste que j'ai une balance. Et donc de là, on va l'introduire à notre préparation. C'est ce qui va permettre à la recette, au gâteau d'avoir un bon goût. Et là, on continue à mélanger. Donc on voit déjà la consistance. Hop. C'est la bonne consistance. Donc de là, pour voir si c'est bien mélangé, on va tout remettre d'un seul côté.
Voilà. Je relave mes mains et j'arrive. Vous avez bien mélangé, donc on regroupe toute la farce d'un côté compact et on filme pour laisser la préparation poser. Je fais ça avec vous. Bon, pour le moment il n'y a rien de compliqué hein. Un grand plateau. On filme bien. Ça va permettre en fait à l'eau de fleur d'oranger de bien pénétrer dans les graines de semoule, les ramollir aussi et donner ce bon goût au gâteau. Je vais passer par mon sucre. Hop. Désolée, ça prend du temps. Un petit coup sur les côtés pour que ce soit bien fermé. Donc ensuite, concernant le temps de pause, il faut compter au minimum, je dis bien au minimum 5 heures. 5 heures de pause, c'est parfait, c'est bien. Donc entre 5 et 12 heures, moi pour cette préparation, je ne sais pas. Je vous dirai donc par la suite. Je pense que je vais laisser oui, 5-6 heures sur celle-ci. Oui. Donc voilà. C'est bien couvert. Et donc là, on va le laisser poser 5 heures à l'air libre, donc en température ambiante, pas au frigo ou n'importe où. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Rebonjour les amis, donc je reviens vers vous pour finir la préparation du gâteau. Alors, pour le moment, la première préparation que l'on a fait tout à l'heure avec la semoule est toujours au repos. Là, ça va faire à peu près 7-8 heures que je l'ai laissé. Comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser au minimum 5 heures, donc entre 5 et 12 heures. Là, moi, je reprends la vidéo après 8 heures, tout simplement parce que j'avais pas le temps avant, mais j'aurais très bien pu la faire à partir des 5 heures. Donc, maintenant, on va commencer la préparation du sirop pour qu'il ait le temps de refroidir avant de l'utiliser. Donc pour le sirop, on aura besoin de 1170 ml d'eau, ce qui équivaut à 9 pots. Donc je reprends le pot de tout à l'heure, comme je vous ai dit, le pot doseur de 125 g. Donc c'est équivaut à 9 pots d'eau. Ensuite, j'aurai besoin de 500 g de sucre. Donc, ce qui équivaut à 4 verres, donc 4 pots. Vous reversez dans 4 pots de sucre. Une tranche de citron que l'on va porter à ébullition 15 minutes. Et ensuite, par la suite, on versera un verre d'eau de fleur d'oranger. Donc, je vais commencer la préparation. Pour le moment, pour le sucre, j'ai utilisé la balance.
Mais concernant l'eau, je vais utiliser le pot pour que vous puissiez voir en fait que enfin, moi-même j'utilise les pots. Donc là, on va mettre 9 verres. 1. 9 verres. Ensuite, je rajoute les 500 g de sucre. Donc voilà. Hop. Tout dedans. Et je vais couper une rondelle de citron. Allez, je vais en mettre une deuxième. Qui sont petites. Je vais allumer le feu. Voilà. Et de là, je vais laisser sur le feu et porter à ébullition. À partir du moment où que l'eau commence à être en ébullition, on va compter 15 minutes. D'accord? Donc pour cette préparation-là, donc là, enfin, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Que je garde la vidéo allumée, je vais la laisser, je mélange un petit peu le sucre qui se dissout et voilà. Donc du coup je vais laisser 15 minutes après ébullition pour qu'il ait le temps de refroidir. En attendant, donc je vais récupérer donc la première préparation que l'on a fait tout à l'heure pour pouvoir la travailler et la mettre au four. Voilà le plateau, je l'ai ressorti donc de la pièce. Je vais l'ouvrir. Après 8 heures de pause, on enlève le film alimentaire. Hop, à la poubelle. Donc, du coup, là, comme vous pouvez le constater, c'est dur. Hein. La pâte a durci, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la casser la pâte, séparer la pâte. Voilà, hop. N'inquiétez pas, c'est un petit peu dur. C'est normal. Et pendant ce temps-là, enfin, en même temps, surveillez quand même la préparation du sirop. Donc moi, il est sur le feu à côté de moi. Donc là, on travaille la pâte. Encore une fois, la vidéo est en temps réel. Donc voilà, il n'y a pas d'accélération ou autre. Comme ça, vous pouvez travailler la pâte en même temps que moi. Montrer la semoule que j'ai utilisée, enfin la marque que j'ai utilisée du moins, si certains préfèrent. Hop. Donc voilà, la pâte est séparée. Maintenant je vais prendre donc la moitié d'un verre, donc 60 millilitres d'eau de fleur d'oranger, d'eau de fleur d'oranger que l'on va donc rajouter. D'accord? Donc moi je reprends encore une fois mon petit pot. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, enfin, ça sert. Hop, je prends la moitié. Eau de fleur d'oranger que du coup je reverse sur la préparation de la semoule. Voilà. Et je la retravaille avec la main. Donc là, vraiment, vous avez une pâte quand même qui est bien imbibée du sirop.
texture qui est collante et compacte quand on la serre dans les mains. Donc voilà, la préparation pour le moment elle est finie. Maintenant on va préparer donc le four, enfin excusez-moi, le plateau qui va au four. Hop, voilà. On nettoie les mains. Alors, voilà le plateau que je vais utiliser. On va prendre de l'huile que l'on va verser dans le plateau. On met également sur les rebords. Voilà. Voilà. De là, on va prendre notre préparation et la mettre dans le bol. Et pendant ce temps-là, mon sirop est toujours en cuisson. On étale correctement pour faire quelque chose de droit, joli. Hop, je vide mon plateau. On essaie de faire en sorte que ce soit proportionné, bien proportionné, excusez-moi. Alors, au niveau des ongles, des rebords, on les rentre avec les ongles en fait. Vous mettez vos ongles et vous faites le tour. Vous faites tourner votre plateau. Voilà. Pour avoir un beau rendu. Donc voilà le rendu pour le moment. Ensuite, je vais prendre une spatule, une petite spatule comme celle-ci. Il y a quelque chose de droit. Et je vais lisser le dessus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez correctement comment il est pour le moment. Voilà. Et de là, je vais le lisser. Hop. Pour avoir vraiment un côté propre. Ça enlève toutes les traces. J'appuie pas. Vraiment, j'effleure le gâteau pour vraiment avoir ce côté donc lisse. Donc voilà, là tout le gâteau est lisse et je passe sur le rebord également. Je l'enfonce pas, c'est vraiment hop, c'est vraiment pour avoir un petit côté, enfin ce sont en biais quoi, les rebords sont en biais. Hop. Encore une fois, c'est pour avoir un côté esthétique. Bon. Alors de là, je vais commencer à allumer mon four. Je vais le faire chauffer à 180 degrés. On va le préchauffer. Voilà, mon four est préchauffé. Donc, je vérifie que tout est bien lisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement la vidéo. Mais vraiment là, voilà. Je vais le prendre. Vous voyez bien comme quoi vraiment il est tout lisse. De là, on va prendre un couteau et commencer à faire un marquage. D'ailleurs, en même temps, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le sirop, donc, le sirop est en ébullition. Et donc là, il me reste une dizaine de minutes avant de couper le feu. Donc de là, je vais faire mes parts de gâteau. C'est une pré-découpe en fait. On y va mollo, tout doucement, faire quelque chose de propre.
Voilà. Ensuite, en retour, on peut essuyer la lame du couteau pour éviter que ça fasse des marquages. Hop. J'y vais vraiment doucement. Pour avoir une belle découpe. Et voilà. Donc, hop. De là. Voilà. De là, on va prendre des amandes en décoration. Donc, dans chaque carré. Voilà, et on les place comme ça. Pas besoin d'appuyer trop fort. Hop, ben, j'en ai pris le poil. Voilà. Maintenant, arrivé à cette étape-là, donc là vraiment on a bientôt fini, il va bientôt être enfourné donc au four, on va bientôt le mettre au four. On va utiliser du beurre fondu, donc on va mettre, je peux vous calculer la quantité, un petit peu de beurre fondu pour badigeonner le dessus, pour avoir un beau doré. Donc voilà, j'ai mis donc 10 g de beurre que j'ai fait fondre au four à micro-ondes. Donc c'est très peu, mais bon, c'est largement suffisant. Pas besoin de faire de gâchis. Et là, on étale sur toute la préparation. Donc, il n'y a rien de compliqué, les amis. Alors, moi, j'ai une habitude quand j'étale le beurre, c'est de faire d'un côté et ensuite de l'autre. Comme la peinture. Pour faire en sorte d'avoir vraiment du beurre partout. C'est ça qui va faire que il sera bien doré. Donc, voilà. 10 grammes, c'était largement suffisant. Voilà. Donc, voilà la préparation. Vous voyez. Maintenant, je vais le mettre au four. Donc, à 180 degrés, minimum 45 minutes. En sachant que ça dépend vraiment des fours. Moi, personnellement, dans mon four, je vais le laisser, ouais, 1 heure, 1h15, 1h30 maximum. Mais écoutez, je vais vous dire de toute façon à la fin combien de temps j'aurais mis pour celui-ci. Donc pour mon sirop, toujours en ébullition, on voit bien que le sucre c'est dissous dans l'eau. Il me reste, allez, 6 minutes de cuisson. Et ensuite, j'éteins le feu et le laisse refroidir. Et voilà, au four pendant minimum 1 heure. Une bonne heure. Pour le moment, je suis à 45 minutes de cuisson. Mais il faut qu'il soit encore plus doré. Donc, je vais le laisser encore quelques minutes. Je pense encore, oui, 10, 15 minutes.
Me revoilà après 1h15 de cuisson. Donc le gâteau est très bien doré. Donc, vous le voyez. Concernant mon sirop, donc il a refroidi. On va enlever les citrons. On va mélanger. Voilà. Et avec une louche. Attention, il faut bien que le gâteau soit chaud. On va verser le sirop. Donc là, il ne faut pas avoir peur. On y va. Donc là, j'ai laissé à ras-bord. On voit bien que vraiment c'est à ras-bord du plateau. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais attendre une trentaine de minutes. Le temps que la semoule absorbe le sirop. Et je vais pouvoir rajouter du sirop par-dessus. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous ne mettez pas tout le sirop, c'est pas grave. Si on a plus, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est vraiment que le gâteau soit bien imprégné.